Bonjour à tous, bienvenue dans ma carrière manager avec le Borussia Dortmund. Nous allons entamer cet épisode avec une rencontre en Ligue des Champions contre l'Ajax d'Amsterdam. Mais nous allons revenir un petit peu en arrière à l'épisode juste avant avec notre match nul au Borussia Park en championnat contre le Borussia Mönchengladbach. Et vous dire aussi également que nous avons eu un blessé qui était un joueur important, Mahmoud Daoud, qui est indisponible pendant environ 7 mois. Donc, nous allons aller voir l'équipe. Voilà. C'est bon. Chaque fois, ça change, je ne sais même pas pourquoi. Voilà. Nous allons remplacer Dondonker par Emre Can. Et Adli par Adeyemi. Nous allons mettre Zoule comme capitaine. Voilà, on avance dans la saison. Deux petits messages des deux joueurs que je leur ai dit qu'ils pouvaient rester au lieu d'être prêtés. Dondonker va me dire qu'il est capable de jouer en remplacement de Daoud. Je peux comprendre. Voilà. Nous allons aller à la conférence de presse. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Il faut gérer la pression. Pas sous-estimer l'équipe d'Ajax, puisque si nous sommes égales, ils ont des atouts offensifs également, donc il faut faire attention. Je vais voir la tactique. Je vais mettre 70. Et 50 ici. Voilà. OK. Voilà. J'espère que cet épisode va vous plaire.
Comme je peux voir au niveau des vues, j'en ai quand même pas mal. Ça fait plaisir. Surtout les petits coups de pouce, même si j'en ai pas trop, mais j'en ai quand même quelques-uns. Ça fait du bien. Mettez des coups de pouce à un maximum. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Nous sommes au Signal Iduna Park de Dortmund, qui est complètement comble pour cette rencontre. Et ma foi, cette rencontre entre les deux équipes qui ont 3 points au classement général, comme vous voyez. Donc, et en plus que ces deux équipes sont favorites dans le groupe pour se qualifier pour le prochain tour. À nous de bien figurer chez nous, surtout. De toute façon, c'est comme je dis, en football, il n'y a aucune science, mais alors aucune. On peut dominer tout le match et perdre le match. Et avoir une seule attaque. Ils ont mis à l'heure en attaque. Ce ne sera pas facile à tenir. Une petite photo de souvenir. La petite photo également de souvenir de l'Ajax. On en a Timber, Alvarez, Gravenberg. Oui, c'est pas mauvais. Hein. Voilà, l'Ajax qui entame la rencontre. Il donne le coup d'envoi. Allez les gars. Ah, si on perd le ballon. Malen. Et oui, de Dunker, pourquoi tu montes aussi fort?
Ouais, Onana. Allez, donc, okay. Jeu. Ah là là. Allez, on en a. Bien joué, grand. Bel appel de balle, ça. Bien joué, on en a. Allez, les gars, on mène à zéro, c'est bien, ça. Allez les gars. Allez, de dunker. Ah, Demi. Bien joué, Cobble. Ah non, hein. Tchou. Pour jeu. Ah ouais.
Et voilà le deuxième. Et oui. Ils n'osent pas faire une faute dans le rectangle. Comme vous pouvez le remarquer. Et voilà le deuxième but d'Alan. Allez les gars, on tient le coup là. Bien de Dunker, bien suivi ça. Oula, attention, ah bah oui, hein. Allez, une balle qui revient bêtement là. Bah oui les gars, hein. Eh, c'est une erreur, hein. C'est pas grave, les gars. Allez. Une carte jaune. Allez les gars. Voilà. C'est 2-1 à la mi-temps. Voilà le tout premier but, but de Onana, qui a suivi son action et qui a profité de l'erreur du gardien de l'Ajax d'Amsterdam. La tête de Haller, joueur très dangereux, futur joueur du Borussia Dortmund pour la saison prochaine. Voilà le deuxième but, but de Haaland, qui nous met bien sur les rails. Et là, c'est malheureusement, Adeyemi n'a pas su tenir le ballon et l'erreur est fatale, puisque la défense n'attendait pas à ça. Là, c'est le coup franc d'Alant. Allez, les gars.
Allez, on perd trop vite le ballon, hein. Trop vite. Allez, c'est bon ça. Allez, de Dunkerque. Oula, bien essayé les gars. Alors, on revient, les gars. Allez, donc, on va essayer. Bien joué. Ah, c'est pas possible, hein.
Et voilà le but. Bien joué Bellingham, feu. Oh, ça c'est magnifique, feu. Très bel appel. Allez, Merchant. Allez, tout se passe bien là. Voilà, tenir le ballon les gars. Voilà, écarté. Ah, Lant. Ah oui. La chance. Oh là 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 là. Et voilà, une belle petite victoire les gars. 3 buts à 1. Contre une très belle équipe d'Ajax qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. Voilà l'homme du match certainement qui nous donne la victoire. Il a tué le match à la 83e minute. Voilà. Une très belle victoire à domicile. Comme je dis, à domicile, Dortmund doit absolument gagner tous ses matchs ou au moins faire un nul. Le poison à l'air, qui a eu quelques occasions pour marquer. Il a marqué. Voilà, Alan n'avait plus qu'à le mettre. Voilà, la but de Haller sur une balle qui est revenue. Malencontreusement. Voilà, une très belle victoire de mon équipe. C'est quand même été serré hein, au niveau possession. 59-41, mais bon. Ouais, 58-42, bah ouais. Au niveau des tirs, 9 et 7 cadrés, eux 6 et 5 cadrés. Au niveau passe, 129 à 113 pour eux, nous 130 à 119.
Et au niveau défense, ouais, 100 à 27, mais bon. C'est vrai qu'ils ont eu plus de travail que nous en défense. Nous allons voir les performances. Comme j'avais dit, c'est Bellingham qui est le meilleur joueur du match, avec un 8,5. Alan Théo et Onana 7,8. Kobel Zoule 7,2. De Donker, Schlottenberg 7,1. Ginter et Christensen 7/10. Ademi, Malen, Kane. Enfin, Ademi 6,9. Malen 6,8. Et Emetchan 6/10. Leur meilleur joueur, c'est Haller, bien sûr, avec un 7,6. Voilà. Nous allons aller à l'interview d'après-match. Victoire du Sporting Club du Portugal contre Beşiktaş. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Surtout pas l'oublier que Daoud, quand il est là dans l'équipe, on est nettement plus fort. Je ne retire pas les capacités de Dodonker, hein, mais bon, Daoud est nettement plus... Voilà les interviews d'après-match qui est terminé. Nous allons voir un petit peu la revue de presse. Voilà, Bellingham a tué le match. Malen a montré la voie. Donker a fait un très très bon match pour son tout premier match de Ligue des Champions. Voilà. Merci de m'avoir fait jouer. Je pense que ça peut m'aider dans ma carrière. Ben oui. Voilà. Alors Malen, c'est génial, coach. Quelle expérience. Je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance de prouver de ce que je peux apporter à l'équipe. Voilà. Au prochain épisode, nous allons entamer la 7e journée. Contre Wolfsburg, une équipe qui n'est pas facile. Qui est quand même sixième avec 10 points. Ça, nous verrons au prochain épisode. Comme vous voyez, Kobel a pris un +2, Müller un +1, Ginter un +1, Zoule un +2, Schottelberg un +1, Collins un +1, Koulibaly un +1, Christensen un +1, K
Kamara 1 plus 2, Emmet Can 1 plus 1, Bellingham 1 plus 1, Daoud également, mais bon, il est blessé. Courpou 1 plus 1, Reina 1 plus 1, Malen 1 plus 1, Moukoko 1 plus 1, Adli 1 plus 2, Allen 1 plus 2 et Adeyemi 1 plus 2. C'est quand même pas mal, hein? Donc au niveau transfert, c'est possible. Non, ça je garde pas. Lui non plus. Et lui non plus. Le jeune non plus, là. Ok. Pour remplacer Daoud, je pensais à Kouadio Manu Koné ou Youssouf Fofana. Mais j'ai un autre joueur en tête que je vais aller de ce pas le rechercher. Dans le reste du monde. Et nous allons aller au Dynamo Kiev. Chercher le numéro. Voilà, ce joueur-ci. Mykola Chaporinko. Voilà, comme vous pouvez voir, ce sont 3 MC. Et Chaporinko est le numéro 1 pour remplacer Daoud. Koné en 2 et Fofana en 3. Voilà, c'est ici que l'épisode se termine. J'espère qu'il vous plaira. Passez un très bon vendredi et que tout se passe bien dans la famille. Salut !